Bon, c'est une musique de New Morricone. Mais on l'a jamais fait, on l'a jamais fait, on le savait déjà. Je vais là. Maintenant, je revais là et je fais les cils. Ce que vous allez le faire après, vous allez suivre après. Vous ferez la même chose que moi. Le nez. L'autre narine. On respire, on descend. La lèvre supérieure. Là. Il sourit un petit peu, c'est une femme, elle sourit légèrement, ou elle est, bon, elle est comme ça, quoi. Là, la lèvre inférieure. Et là, je vais monter faire la joue, j'ai pas fait la joue, là. Je vais faire une caresse sur la joue, hop. Une caresse, une caresse. Le mentoil. Il y en a plusieurs, on dit les mentons. La boucle d'oreille, toujours une boucle d'oreille, ça marque le visage, ça fait un cercle harmonieux. On descend le cou, là la machin, la, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Je m'en souviens bien de cette os parce que quand j'étais petit, il y a un copain à l'école qui s'était cassé cette os là. Ça s'appelle la clavicule. J'étais très petit, j'étais en primaire. Voilà, là ça fait ça, là, et on va faire l'oreille là. Regardez bien l'oreille, hop, ça tourne. Et hop, là on fait les circonvolutions révolutionnaires. Et là on va, hop, 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 non, les chevals de l'E. Hop, on fait le tourbillon, hop, la gueule, pouf. Et là on fait la fossette de la joutale. Là on fait les. Toc, l'oscillos. C'est toujours un peu le même humour à la moelle nœud, hein. C'est pas non plus très relevé, mais ça fait ce que ça fait, quoi. Là, on fait la pupille de la nation, le reflet, hop, on tourne, et hop, là. Vous attendiez pas à celle-là, hein. Là, on fait le truc, là, ici, dans l'œil, un truc comme ça. Si, si. Là, j'espère que je crie pas trop dans l'appareil. On verra bien. C'est Royo qui filme en ce moment. Il ne parle pas habituellement, c'est un bavard. Non, c'est pas vrai, il n'est pas trop bavard. Mais là, il est quoi? Quoi? Il est silencieux. Là, les chevals. Une mèche comme ça, vagabonde. Une mèche, une autre mèche qui vagabondesque. Là, quoi. Qui fait ça, et qui va jusque là. Oh, elle remonte. Elle est libre. C'est une mèche. C'est l'avantage des cheveux. Il faut toujours s'inspirer des cheveux parce qu'ils sont doux. Et mais pas des stylos, des fois ils sont doux aussi, mais bon. Toc, voilà. Faut pas appuyer trop, faut respecter son stylo. Sinon, il ne te respecte pas. Ça, c'est une musique de Ennio Morricone. J'ai trouvé un truc où il y a plein. Elles s'alignent toutes les unes après les autres sans avoir à intervenir. C'est mieux que toujours travailler. Tout le monde sait que le travail nuit au héros de la au héros de la du dessin. Le travail multiplie la souffrance. Waouh 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 waouh. N'importe quoi, on s'en fout. On est libre. Moi, je pense qu'on est libre, mais on le sait pas assez encore. Il y a du boulot à faire. Ça, c'est un autre musique de Ennio Morricone. La table elle bouge, vous avez vu? C'est encore plus dur avec une table qui bouge. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Pour n'importe, faut que j'aille vite là parce que là, ouais. On va faire. La poitrina. Poitrina. Il va
filmer mes cheveux là. Je le sens qu'il frôle mes cheveux. Voilà, vous me laisserez un commentaire, vous n'oubliez pas ça surtout, sinon je meurs de soif. Alors laissez-moi un commentaire, une grosse insulte, des grosses saloperies si vous voulez, mais laissez quelque chose, qu'on soit pas hors de d'atteinte les uns des autres. Alors Pierre, tu parles trop fort, ça va hurler dans le film. Bon, vous voyez, grâce à moi, vous avez entendu la voix de Royo. Remerciez-moi. Ça va hurler dans la caméra, là. Bon, maintenant, fermez vos oreilles et appréciez, peut-être. Voilà. C'est fini, là, Pierre ? C'est fini. Laissez un commentaire, s'il vous plaît. Merci Pierre, voilà, alors, c'était un dessin de un trait réalisé par Pierre ce matin 8 février à minuit. Non, à midi. À midi.